Salut à tous, c'est Hérolim, la puissance du Creeper à votre service, et aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode de Feed the Boudin, en compagnie de toute l'équipe. Salut. Salut. Alors, vous le remarquerez, la base se fait un petit peu vide. Pour une raison très simple, on s'est fait voler. Voilà, on nous a tout pris, il n'y a plus rien. C'est bien, regardez, même moi j'ai plus que du pain sur moi. Regardez les coffres là, voilà. Il y a plus rien, on nous a tout volé. Ouais. Et une horde d'Enderman qui a tout pris. Voilà, on a que dalle. Alors en plus, on va aller vous montrer un peu les bases, mais c'est terrible. On va aller chez River là, c'est la merde. Alors regardez River, lui il a plus rien non plus, hein. Il y a plus de coffres. Et puis voilà. Hein. Oh, c'est quoi ça? Oh! J'arrive! Au secours! Au secours! Je suis tombé dans un piège! Bon, non, les gens, en fait, on se fout un peu de votre gueule. River, es-tu dans ta base? Je viens de chercher. Ah, mais je sais où est-ce qu'elle est, la base. Là? Ah, mais je vois mon point de mort. Je voulais juste savoir si tu étais en bas. En fait, on se fout un peu de votre gueule, les gens. C'est juste que non, en fait, on est horriblement riche. Et que. On n'hésite pas à le montrer. Donc là, on va vous montrer un petit peu ce que ça donne. Moi, j'ai pas encore fini ma salle. Oui, mais bon, on va voir au moins ce que t'as déjà fait. Voilà, donc on a fait nos propres salles, les coffres automatisés, tout le bordel, voilà. Voilà, voilà. Alors voilà la salle des coffres de... On va y arriver. Hein. Et enfin, mais... Voilà la salle des coffres. Je suis en plein travaux. Je suis en bas, là, maintenant. Hein. Oh, mais tu vas me... Mais con... Mais attends, mais... Mais attends-moi, enfin. Mais... Tu me dis de t'attendre, mais toi, tu m'attends pas. T'as qu'à regarder les TP, hein. Rends-moi mon pain. Ah, oui. J'ai une pioche en diamant, aussi. Mais c'est con, si c'est mélangé avec le mien, là. T'en avais combien? Bon, je te donne la moitié. J'ai un stack tout pile. Moi, je suis en plein travaux, donc c'est moche. Voilà, donc River est encore en plein travaux, enfin, ah, c'est attends, pour le design. Attends, ça à toi. Wrench. J'ai une pioche en diamant, normalement. Une wrench. Mais River, depuis hier, on a récupéré 14 des stacks du metteur. Tranquille. Merci. Voilà, donc, la salle des coffres de River, alors, totalement automatisée, on va aller voir ça derrière, pardon. Voilà, donc vous voyez, il a une ou deux queries. Une, il y a une deux. Query. Non, deux. Et elles tombent dans le même. Puisqu'elles vont toutes dans le même Ender Chest. D'accord. Voilà, donc il a deux queries qui vont dans le même Ender Chest. Et puis voilà, c'est trié automatiquement ici. Vous voyez, macérateur, compresseur, four à induction. Donc la totale. Et puis ça va directement se ranger dans ces petits barrels. Donc tout est trié hein, automatiquement. Voilà. Plus ou moins expansé les barrels. Plus ou moins expansé, oui, en effet. Alors voilà, et donc, c'est justement, si on a fait ce système de rangement-là, bah c'est parce que on a des problèmes de riches, voilà, des problèmes de place, donc du coup, c'est les barrels qui prennent la relève au coffre en diamant. Hop, ouais, j'ai pas remonté. Alors, on va peut-être pas aller voir chez... Ah, bah si, River, il y a peut-être un truc qu'on peut aller montrer, c'est le monde alternatif que tu as fait. Voilà, parce que on commence déjà à penser à la ville, et River y a pensé sérieusement, ici, avec ce nouveau monde. Donc, un monde de... Comment ça s'appelle encore? Colline Rouge, c'est ça? Ouais. Voilà, donc un monde Colline Rouge. Vous voyez cette matière au sol, c'est de la cobblestone rune, cobblestone rouge. Arrête je cobblestone. Je m'emmêle un peu. La red cobblestone, donc. Voilà, vous voyez. On peut en faire de la redstone, la reine stone brick, c'est ça. Voilà, donc. Et ce biome s'appelle Mountain Ridge. D'accord. Et sinon, Eru, est-ce que tu as montré les améliorations extérieures de ma base, genre les deux tours au-dessus? Non, on va aller voir ça tout de suite. Ah oui, mais je peux pas on peut pas retourner dans ton monde directement, il faut que je passe par le Overworld. Ah écoute, on ira le voir ça à la fin. Ouais, ok. Ou en bonus. Alors, un autre truc que River nous a apporté, c'est ces jolies lampes. Voilà. Ah, donc ouais. Vous voyez, ça c'est les Voice Lamps.
Voilà, donc c'est issu du briquet démoniaque qui peut brûler une forêt en un clic. Et voilà, là on peut crafter ça avec le briquet démoniaque et ça éclaire tout un chunk. Donc voilà, une lampe, un chunk, voilà. Donc ici on éclaire toute la pièce avec une seule lampe. Briquet qui sert également à transformer les iron blocks en dark iron blocks. Voilà, qui sont très utiles eux aussi. Alors vous voyez Oui, que ici. notamment pour faire des upgrade perles. Ouais, Il me semble. notamment. Là, on en a bien eu besoin. Alors, ici, la salle des lasers. Donc, comme les minerais ne sont plus ici, on vous montrera tout à l'heure où est-ce qu'ils sont. Voilà, on a remplacé par les lasers. Et River nous a installé tous les moteurs, les solar panels derrière. Enfin bon, un truc de taré. Un moteur. Il y a combien de moteurs? 20? VVL. Je Ouais. sais plus. Ouais, 20, d'accord. On va aller peut-être voir la salle des coffres de la De la base. base. Alors, vous vous souvenez peut-être de la vieille du vieil escalier vers la tuyauterie. Enfin bon. Tuyauterie qui est toujours là, mais simplifiée, hein. Voilà. Comment faire simple quand on peut faire compliqué. Et voici notre salle des coffres de la base. Donc plus grande que celle de River, hein. Je l'ai fait. Je sais plus. Oh, t'as Je bien mis crois. 2 jours. Oui, ça fait 2 jours que je suis dessus déjà. Ouais. Et là, j'ai pas encore terminé parce que bon, il y a pas mal de barrels qui sont pas encore assignés. En même temps, c'est quand je sais pas trop quelles ressources mettre dans les barrels qui restent. Voilà, donc tous les minerais en bas, les dust au-dessus, la bouffe et le bois là-bas. Voilà. Donc ici aussi, vous voyez les magnifiques lampes de River. Donc une lampe pour toute la pièce. Alors, Ouais, si je me c'est trompe pas, là il y en a 12. En bas il y a 12 et 12, donc ça fait 24. Au milieu il y a 19. Et donc ça fait 13, 13, 13, 13. Donc 26, 52. 52 plus 24. 52 plus 24, messieurs. 76. Et 3 fois 19. 3 fois 3 19, fois 19. 57. Donc 57 plus 56, et vous avez le nombre de barrels dans la pièce, donc 113. 113. 113, oui. 113, exactement. Beaucoup, donc. 113 barrels dans la pièce. Et après, tu comptes, ça fait 113 fois 7 bûches pour les faire. Oui. C'est une autre question. Autrement Surtout qu'il y a des dit. barrels en trop en haut. Alors voilà, notre petite salle des machines. Donc ici, vous avez toutes les machines. 791 bûches. Voilà. Et ici, Pas on a mal. notre petit système, si vous vous souvenez, pour crafter les. Ouh, j'ai un épique Carbon, lag. les carbon Pour plates. crafter les carbon plates. Ben voilà, vous mettez dans ce coffre en bois et ça arrive là. Parce que bon, le système est derrière, je vais pas aller vous le montrer, j'ai pas envie de détruire le mur. Voilà. Donc, voilà pour la salle des coffres. Je dois aussi prévenir que même les. Système automatisé, par exemple pour la canne à sucre qui se transforme en papier, le blé qui se transforme en pain, et puis l'arboretum, tout est relié ici. Voilà, donc là il n'y a plus rien, mais plus rien en haut. Voilà, donc Donc il y là, a on a vraiment. bossé comme des dingues. Oui, on a bossé comme des tarés. En même temps, c'est vrai que l'épisode 5 date d'il y a quelques jours quand même. Mais bon. Donc en fait ici on va garder tous les matériaux de construction, donc style stone, stone brick, le verre, et puis tous les matériaux qui vont arriver après. Hein. Alors dans la base, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration? Bah. Ah, il y a peut-être aussi quelque chose qu'on doit vous dire, c'est à propos de comment on a réussi à avoir Ouais, oui. toutes ces ces ressources, oui, ça peut être ressources. utile. Ouais. Voilà, donc vous voyez, on a un monde query avec un portail exprès. Alors, faut d'abord qu'on vous explique. Parce que, comment dire, ça fait très longtemps qu'on cherchait un monde pour faire tourner les queries dedans. Donc un monde dense or pour avoir plus de minerais possible. Alors on faisait des dense or le plus. On essayait de les faire les plus stables possibles avec les bonnes caractéristiques. On mettait juste un dense or, on n'était pas gourmand. Et puis on en a eu marre, au bout de 150 essais quand même. Donc, on a cheaté un petit peu. Pour récupérer un peu toutes les ressources qu'on a
perdu pendant ce temps-là, parce que on a pendant ce temps-là, nous, on a augmenté au niveau technologique, hein, faut le dire, hein, River peut en être témoin avec les solar panels. Oui. Tous les panneaux solaires qui ont été augmentés en ultimate ou en hybride, ouf, ça fait mal au cul. Ah, pas de Bien bête, un il y a eu un petit paquet. lag. Oui, Pas de mais depuis que le j'ai bad vu bug. le mur de blocs d'émeraude, de rubis, de saphir de River, là, je sais pas, il y a eu un gros bug. C'est ton Feed the Beast qui est sous le charme. C'est Voilà, donc possible. on a généré un monde dense or, cheaté. Alors, par contre, cheaté un peu beaucoup, un River? Tu penses quoi? Non, non. Non, On a non, c'est un juste dense or x mis. 5. Oui. Donc voilà, vous voyez un peu toutes les ressources sur les murs. Bah voilà, nous, nos queries ont récupéré ça. Donc ça, c'est l'ancienne query de Bad Bay, si je me trompe pas. Oui, celle qui est devant là, enfin pas tout à fait devant, Ouais, mais mais c'est bien celle-là, si je me trompe là. pas. Oui. Bon, Et voilà. d'ailleurs, Il faut tu as bien. mis ta quarry là où il fallait pas, mais bon. Je t'ai dit que j'allais Donc. mettre la prochaine sur le côté là, mais bon. Oh, bah on s'en fout, on a tout le Bon. monde pour nous. Oui, je Voilà, sais. sachant Bon, on que parlera de on tout ça plus tard. Oh, le prince. Oui, sachant que pour éviter que vous commenciez à vous dire ouais, il cheat et tout pour avoir les ressources. C'est le Bah, le truc c'est 150e qu'on monde, je crois. 150e monde, voilà, à peu près, hein, à peu de choses près. Bah, pour donner une idée, on a même essayé de générer des mondes en Densor avec des météos pourris, sans même Eternal Day. Enfin, c'était incroyable. Limite, la seule chose un peu gourmande qu'on demandait au monde, c'était que le Densor. C'est-à-dire, on demandait des mondes vraiment simples. Mais non, non, il n'y avait pas moyen. On a toujours du World Eater. Et en plus, du bien agressif. Hein, pas les petits World Eater On a de même base. testé un moment juste le monde standard avec juste l'Eternal Day, si je me souviens bien. Enfin. Oui, on avait juste mis un monde standard en Eternal Day quand même. Autrement dit, un monde comme moi ou Bad Bay on a. Et pour une raison que j'ignore complètement, mais même en faisant que ça, on avait des World Eaters. Alors je sais pas si on n'avait vraiment pas de chance, ou si suite à une mise à jour, la génération des mondes a été. Je me Comment souviens dire? pas qu'on ait eu de World Eater dans ce monde-là, Bousillé. c'est juste qu'on a abandonné en fait. Si, 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 il y avait eu du World Eater là-bas. Ah ben, j'étais pas là. Ouais, parce que bon, même avec les World Eaters, on a essayé, enfin moi personnellement, j'ai essayé de faire tourner une query dans le monde. On a On l'a fait tourner perdu. pas très longtemps, hein. Bah, Alors, enfin, ça non, mais va, en quand fait, c'était pas j'ai trop essayé deux agressif, fois. ça allait. Oui, les World Eaters violets qui sont les plus lents, ça allait encore. Mais c'est Quand il n'y en pourtant avait eux pas qui t'ont trop, bouffé ta c'était bon. quarry. Ah, ça c'est dans le deuxième monde parce que j'ai essayé deux fois. Il y a eu la première fois où je l'ai fait tourner pendant un moment. Et puis la deuxième fois où je l'ai laissé toute la nuit et elle a été bouffée par un World Eater. Voilà. Donc du coup on en avait ras-le-bol. Surtout qu'on perdait énormément de ressources à cause de cette connerie. Ben, moi j'ai quand même perdu un hybride, une MFSU, une query et deux ou quatre moteurs, je sais plus. Sachant que. Bref, Eru et moi on était on prenait les ressources de la base, ce qui était enfin, ce qui fait qu'on vidait énormément les maigres ressources de la base, alors que River et Bad Bay, lui, avaient leur propre. Enfin, avaient déjà commencé leur monde avec leurs propres ressources. Oui, mais sachant que même eux, on en avait quand même pas mal besoin, parce que là, Ben oui. les ressources de la base, bon, on a tous piqué dedans. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup piqué dedans puisque je m'en occupais. Mais là, J'ai beaucoup voilà, piqué dedans, mais je c'était. m'en occupais pas. Voilà, le souci, c'est que par exemple, Bad Bay s'est lancé déjà dans le nucléaire, et pour vous Oh. dire, lui, il avait besoin d'énormément de ressources, donc du coup, J'en ai on avait toujours pas trop le besoin. choix. Oui, c'est vrai que t'en as toujours besoin, mais bon, même là, avec un Densor x5, pour vous dire, on a quand même. Bad Bay a du mal pour le nucléaire, River, ça va, hein. C'est juste le temps de Ça craft qui est assez va. long. Il me faut quand même 64 stacks d'iridium. Ouais, bon, on arrivera à les avoir, ça c'est sûr. Parce que bon, même à la base, là, on doit en mettre à une quinzaine de stacks, c'est déjà pas mal. Et parce que les gens, vous imaginez pas ce que j'ai prévu moi pour ma partie de la ville. Honnêtement, je préfère avoir besoin de 64 stacks d'iridium que 4 stacks de chrome. Oh, le chrome, c'est que Voilà. du rubis, arrête. Ouais, non mais.
On va peut-être. Attends, on a un Densor x5, tu vas pas te plaindre. Il faut une voilà. Rubik pour un stack de cours. Je suis retourné dans l'Overworld. Pareil. Parce que j'ai eu un bug, j'ai dû relancer le jeu et je reviens, il n'y a plus personne. Ah voilà. Donc, dans la base, qu'est-ce qui a changé? On s'est mis à cultiver aussi les ruches, hein, les abeilles. En sachant que là, il y en a qui doivent être pleines, que j'ai pas encore vidées depuis un petit moment. Je sais ce qu'il y a de nouveau, regarde. Là. La mascotte. Mickey. La mascotte. On a une mascotte, le Slimmy. Slimmy, le slime. Oh. Pourquoi? Bah parce que comment dire. Je vais vous montrer. On a un coffre là avec le loot des mobs. Donc en gros tout ce qui est vraiment. Ah Slimmy. Voilà. Et donc vous voyez les boules de slime là. Ce n'est pas cheaté. Non. Vous allez au fond d'une query et quand vous récoltez les minerais vous tuez les slimes. Et voilà. Vous vous retrouvez avec une quinzaine de stacks de slime balls. Sans compter que ici, on a le Scrapomatix de Bad Bay, que j'ai importé tout à l'heure, mais bon, c'est globalement lui qui l'a fait. Hein. Voilà, donc, avec la cobble, on crée de la scrap qu'on transforme en scrapbox, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, la scrapbox qui est lancée par un dispenser et qui se transforme en un item. Donc, un item totalement au hasard, vous voyez ici, il y a tout, et voilà, encore des slime balls. Eh mais attends, mais il est pas relié. T'as même eu un diamant. Bad B, tu me fais le. Je crois de diamant. Non, ce coffre-là est pas relié, Bad B. Et je t'expliquerai plus tard. Ah je oui, t'expliquerai plus tard. En faudrait un peu quand même. Je t'expliquerai plus tard. Bon. Oui, d'accord, mais. Donc, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Amélioration chez les animaux. Voilà, c'est ce que j'ai fait il y a un petit bout de temps déjà. Alors, ici, on a agrandi les enclos. Pourquoi? Parce que Bad B m'a dit qu'il y avait ce feed bloc station. Qui existait. La feed station, vous mettez un stack de blé et les animaux se reproduisent automatiquement dans votre enclos. Voilà. Sinon, ici, j'ai fait un petit aménagement pour l'entrée dans la Twilight Forest. Hop. Parce que bon, on était en plein milieu des enclos. Et ici, nous avons notre récolteur automatique 2. Voilà, donc River est indisponible pour le moment. Alors, si vous connaissez pas ce système, en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir Feed the Beast pour créer ça. Vous pouvez faire ça sur un Minecraft Vanilla de... Enfin, le Minecraft de base, quoi. Donc, les poules sont dans l'eau. Les poules ne veulent pas tomber dans l'eau. Elles ne peuvent pas, parce qu'elles volent automatiquement. Voilà, elles restent en suspens au-dessus de l'eau. Mais elles pondent quand même des œufs. Donc, du coup, vous faites une cascade. Voilà, ça descend. Ici, voilà. Vous arrivez à ce niveau. Vous n'êtes pas obligé de faire tout le truc que j'ai fait, hein. Vous pouvez même le faire plus petit. Voilà, donc vous arrivez à ce niveau. Vous mettez des panneaux pour éviter que l'eau coule directement dans la rigole. Vous mettez une source d'eau à chaque bout de... T'es pas obligé de passer devant moi, River. À chaque bout de... Donc de ce trou quoi, de cette rigole. Et puis au centre vous mettez les obsidian pipes qui vont récolter automatiquement les œufs qui tombent et qui vont le diriger vers voilà vers ce magnifique barrel. Donc on a combien de stacks déjà? 860. 860 x 16, donc ça fait du 200 et quelques. 215. Stack. Oui. Alors voilà, je vous montre avec un œuf que j'ai balancé. Hein. Ça revient au même, de toute façon, les œufs sont quand même pondus. Hop, voilà, vous voyez l'œuf là. Il va descendre. Voilà, il est descendu. Vous le voyez qui arrive là. Alors c'est assez lent comme système, mais bon, ça marche. Vous voyez, il y en a un autre qui arrive aussi. Voilà. Mais donc ouais, l'Obsidian Pipe, ça récupère tous les items que t'as... Au enfin... sol, ouais. Voilà. Hop, et voilà, et ça va arriver ici. Voilà. Donc, je crois que c'était tout. C'était tout pour cette partie. Alors, attendez, je vais faire repop des poules. Hein, parce que bon, je les fais repop à chaque fois. Parce que des fois, il y en a qui se noient. Ça arrive. Et oui, ça arrive. J'ai pas prévenu les autres. Ça arrive que les poules se suicident.
Nous avons marre d'être exploités. Adieu, mes frères. Je vais rejoindre le monde des poules. Alors, voilà. Donc ça, c'était tout pour les animaux. Même pour la base, globalement, c'était tout ce qu'il y avait à dire. Bon, moi, je continue la mienne. Youhou. Voilà. Bah, à la rigueur, il y a la mienne qui était... J'ai amélioré. Oui. Donc River nous a quitté malheureusement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc on va aller voir un peu la... Ah non, attendez, on va aller voir un truc. Avant, on avait un petit besoin. Alors je vais vous expliquer un peu l'histoire. On avait un petit besoin en dirt parce que on utilise énormément l'arboretum. Donc du coup on avait besoin d'humus et il nous fallait de la dirt. Voilà. Donc, j'avais décidé de commencer à détruire une montagne. Voilà. Donc, j'avais commencé à la détruire. Vous voyez, il y a des arbres qui volent, littéralement. Et puis, Bad B m'a proposé son système. Comment ça s'appelle encore? C'est une carte. Enfin, je sais pas exactement. C'est une carte qui creuse automatiquement. HULL. Le truc de base, et après, on met les équipements dessus. D'ailleurs, voilà. Je pourrais le montrer ça. Dans un carte assembleur, une petite machine qui n'a même pas besoin d'énergie en fait. Voilà. Enfin, si, il faut mettre du charbon dedans, c'est ça son énergie. Et on peut faire différents cartes. D'ailleurs, je vais à ma base, où vous me rejoignez. Voilà, mais pour le moment, je vais montrer un peu celui que. Voilà. Ouais. Donc, le tunnelier que Little Nut nous a construit. Ça, le tunnelier, par contre, c'est pas fait avec le carte assembleur. Hein. C'est directement un. Non, c'est un autre système, mais bon, qui ressemble beaucoup. Donc, le carte assembleur. C'est la machine qui a créé le tunnel que vous venez de voir. Le premier, oui. Autrement dit, un tunnel de 5 sur 5. C'est quand même assez énorme. Donc 5 de hauteur sur 5 de largeur. Et puis, boum, il avance. Il peut même poser les torches à intervalles réguliers. Vous pouvez régler la hauteur à laquelle il va aller. Vous pouvez régler la distance entre les torches. Et il met automatiquement des rails devant lui tant qu'il en a en stock. Sachant que le stock est plutôt réduit. Alors Little Nut me fait de la lumière, c'est bien. Mais il va trop vite pour moi. Il est reparti. Donc voilà, le tunnelier doit être un peu loin. Je suis occupé de... Il a toujours pas fini, hein. Creeper. À mon avis, j'ai dû mettre le World Unchart trop loin, je pense. Ou alors c'est vraiment lent comme système aussi. Voilà, ah, il avance plus, ok. On va voir un peu à quoi il ressemble déjà. Même moi je l'ai pas vu pour vous dire. Alors, c'est par ici. Non, je vois de la redstone. Ah, le voilà. Oula, mais... Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Il y a moyen de relier maintenant les cartes. Alors, voilà notre tunnelier. Oh, bien. Alors, on a moyen de le relier directement à des coffres, donc dans des cartes, évidemment. Donc, si vous trouviez que le système de coffres dans des cartes était inutile, eh ben voilà. Là, vous savez à quoi il sert. Donc voilà le tunnelier qui avance lentement. Merde. Aïe, catastrophe. Hop. Laisse-moi tranquille, toi, les squelettes. Hop, voilà, donc le tunnelier qui va nous continuer de nous creuser le tunnel. Bah, en même temps, c'est vrai que là on en a plus trop utilité. On a les queries derrière qui ramassent les minerais. Voilà, bon, bah là-bas, j'avais crafté pour le fun, pour voir ce que c'était. Et puis, bah, effectivement, entre temps, on a eu le Densor, donc bah, ça m'a pas été d'une si grande utilité que ça. Donc, j'ai quand même lancé histoire que le craft n'ait pas été useless. Voilà, bravo. Ça peut toujours être utile, on verra bien. Donc là, j'arrive, je vais m'occuper de rapprocher le World Unchart du système, parce qu'effectivement, il est un peu loin. Pas beaucoup. Voilà, donc je pense que c'était tout ce qu'il y avait à dire. À peu près sur tous nos problèmes de riches, hein, niveau place. Parce que bon, là, c'est vrai qu'on n'a pas... On a un peu galéré, parce qu'on a balancé les... Enfin, moi personnellement, j'ai balancé mes queries, je les ai mises en marche toutes les deux.
Alors que j'avais pas encore le système de coffre automatisé. Donc du coup, tout arrivait dans un coffre en diamant que je devais trier ensuite, faire fondre les minerais, puis aller les mettre dans les coffres appropriés. C'était un gros bordel. Donc là, c'est une libération. Y a pas mieux. Je trouve pas d'autre mot. Voilà, voilà. Et River qui bug complètement depuis tout à l'heure, bon. Ce n'est qu'un au revoir. Ah, et on voudrait faire une petite dédicace, tiens. Parce que l'autre jour, on était occupé sur Feed the Boudin. Oui, il nous entend toujours, c'est bien. Bon, on était sur Feed the Boudin et en même temps, on avait quelqu'un en conversation sur Skype. C'était Richie. Voilà, donc Richie de la team Kigar. Et solennellement, River nous a posé un bloc, des planches en bois. Voilà, et il nous a mis le panneau en plus. Voilà. Donc petite dédicace à Richie, que je salue comme d'habitude. Voilà, quelque chose d'autre à dire les gens? Mais oui, je vois où je voulais te montrer les cartes là, un petit peu comment, rapidement. Les cartes? Ben non, mais les cartes on va faire... Non mais rapidement, non, mais sans poser un carte, juste carte assembleur, voir un petit peu comment ça fonctionne. On va voir à quoi ressemble la machine, voilà. Ben, c'est un bloc, Et puis, prochain épisode, on fera peut-être ma base, comme ça me laissera le temps de l'avancer et de la finir. Ouais, on fera un peu ta base, et puis on commencera peut-être. J'arrive. D'accord. Faut monter là-haut, oui, là, c'est là ton échelle. Ah, d'accord. Donc voilà, donc le bloc de droite, on s'en fout pour l'instant, même on s'en fout jusqu'à la fin. Donc le cas, t'es dans le... Enfin, quelle grosse ouais, je suis dans celui de gauche. Oui, c'est bon. Donc, comment ça se présente? Donc, en bas à droite, l'énergie nécessaire. Par exemple, hop, je mets du charbon dedans. Donc, mon carte assembleur est alimenté. Je mets un standard, par exemple. Celui-là est en fer. Vous pouvez le faire en bois aussi. Sachant que si vous faites en bois, vous pourrez mettre moins de moteurs. Vous voyez, il y a des petits blocs qui sont verts là sur le côté là. Donc des emplacements disponibles. Et donc s'il est en bois, il est un peu moins grand, un peu moins puissant, donc moins d'emplacements disponibles. Alors par exemple, bon, donc, en moteur, si je ne me trompe pas, moteur, voilà, oui, donc le carte assembleur permet de, à partir de pièces détachées, voilà, de petits de rassembler tout ça. Voilà, donc en outils, je peux mettre des trucs qui percent, enfin pour miner, des drills, voilà, je cherche le nom. En moteur, il n'y a que deux moteurs spécifiques. Il y a les Solar Engine, là, comme j'ai mis, ou le moteur à charbon. En storage, ben, c'est les coffres, hein, c'est les stockages, finalement. Donc, il y a plusieurs trucs. On peut mettre soit des coffres sur les côtés, soit un derrière, soit un truc qui s'appelle Internal Coffre, donc il n'apparaît pas dessus, donc il est directement à l'intérieur. Il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. L'attachment, j'ai créé un d'ailleurs, je me demande si je me suis pas. Non, c'est celui-là, il est bon. Ou un carte avec un Advanced Panel, Advanced Control System, avec un siège en plus qui vous permet en fait de monter dans le carte et de le diriger finalement. Ce qui est assez sympa. C'est pas mal ça de. Pour l'instant, j'ai testé, mais il est très lent. Je sais pas, il doit manquer un truc. Peut-être je vais regarder, je vais refaire des recherches. On verra ce qu'on peut faire avec. À mon avis, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a beaucoup de choses à faire. Là, voilà. Je vais poser un truc juste pour vous montrer la gueule. Peut-être en rester là. La gueule que ça. Je monte les. Quoi que. Voilà. Donc, ça, c'est le. Hop. Et ça, celui-là, si je peux monter dedans. Hop. Bonjour. Salut. Voilà. Bon, on va retourner à la base, et puis on va se dire au revoir, parce que bon, ça fait déjà un petit moment quand même, hein, faire le tour un peu de tout ce qui est arrivé. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve dans un prochain épisode de Feed the Boudin, l'épisode 7, et je sais pas ce qui va arriver. On présentera déjà la base de Little Nut, s'il a bientôt fini, enfin s'il a bien avancé surtout. Là, je suis en train de faire mon bâtiment général. Voilà. Donc on verra un peu le bâtiment général de Little Nut, et puis on verra comment on a avancé chacun de notre côté. Peut-être qu'on générera déjà le monde pour la ville, et qu'on regardera un peu comment aménager le biome dans lequel on se trouvera. Voilà, donc à la prochaine, et salut à tous. À la prochaine. Salut.